Bonjour, il y a encore Colanda Bisso partout à travers le monde, puisqu'il y a sur vos éparpillés, bah Congo mani mbote, pe boye bolamu, na manaka na bino, ya moko na lelo, pona Congo ya lelo e bandi, merci na confiance, pe fidélité, bozoko ba kopé sa biso, toza on dirait que bantenya Congo Buzz Télévision, na TNT, pe na page na biso Facebook, bande kwa YouTube, bazwa biso juste après, ndenge to misana kosa, la koke ou partage live o e bandi, déjà, je vous rassure que Michel lelo, et que vous allez bongo qui toko mingi lundi 10 juillet 2023. Quelques sujets d'actualité avant de vous présenter mes invités de séjour au week-end de l'équipe. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sola qui topé a yanola kena metuna la population. Na face, il y a interview mon quoi Sadaki. En face, il y a porte-parole de madame Tina Salama. Félix Tshisekedi a talisi kazali dessus. Na bilan naye ya justice sous reine naye bongo tata mokambi ekola talisa ki ba fort oyo ezali ko zala conjugué na domaine wana kasi na nou e rencontré bongo ba tante na ete kasi atalisa ki ke mosala e koko ba bongo oko salema na secteur ya justice o ezali na nou chantier ya munene na o etali vie sociale Félix Tshisekedi azo reconnaître ke nyonso pe salemite atako ya mike mike ezali ko salama pona ko améliorer veki quotidien ya population kasi na secteur wana pe mosala ezali bongo koko ba ko salema kasi ce qui a joué second mandat na ye aza ko rassurer ke a ça la nyonso po vie ya congolais et comme marisusu meilleur moto nyonso azala na emploi pe azala na vie moko ya ya boye ya molamu mingi po na libota na ye na oyo etali recite tope ba point oyo a réussir ezali bongo gratuité de l'enseignement monté en puissance ya ba FRDC na biso pe bongo position au RDC jui face ya bamboka mosusu na mokili mobimba grâce ya diplomatie na yepe ben infrastructure et tongami pe zali réhabilité sous reine na ye tata mokambi ekolo atali saki kozala ata ce qui mokete dictateur ndenge ba yi opposition bazali koloba yango a rassurer bana mboka Congo ke akosala nyonso pour que kimia région na est pe atali saki na o etali ville ya Goma ekotikalaka koko ya ta mokolo moko te azana posa akende ko s'installer na Goma te pour que de la nyon sortant à côté de Bokondi à se rendre compte que par rapport à Malobanae à campagne à 2018 à se rendre compte que à côté qu'on dirigeait nyon sort de la ville de Kinshasa Bisika Azali Kasi à Talisi était que Wouta Azali nyon sort et Azali ko s'améliorer na ou étali situation sécuritaire na est et République démocratique du Congo phénomène vente d'organes vitaux. Général Silvano Kasongo azo persisté pe azo signé jusque là la police a joué à ta plainte mon côté ou ezo ken na sens ya organe été kamaki patron ya la police ville de Kinshasa a affirmé que chaque période ou ezala ka proche ba élection ba phénomène moko e bota marapo na kubangi sabayi ke ba susu ka sazali ko rassurer ba na Kinshasa que la police ezali na nzela pour na ko batela bato pe na ba bien na bango na ngambo na ye à Cage à Sengina premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a veillé à ce que bah kidnapper au bazar qui condamné définitivement ba pirger compte peine na bango lolenge et sengeli na prison mokweza mosika na Kinshasa buluo tope angenga d'après ye prison centrale ya makala oezala ki konsu pona koyamba bongo 11920 personnes lelo ezali na plus de oui, ils allaient qui conçu pour Nakoyamba 2000 personnes, lelo, et ils n'a plus de 11000 personnes, 11220 personnes, naboe, à talisa que, bamema, bah, ikewana, nangambo, ya bouluo, tope, nangambo, ya angenga, pour ba purge, peine, nango, pe gouvernement, a veillé à ce que, motona, moto, a purge, peine, naye,
ndenge sengeli wana zalaki message ya akage Kinshasa Godin Poi déchi de ses fonctions président et assemblée provinciale de Kinshasa à Longwe bongo na mutu pour na koyeba que na plénière obisika 34 députés sur 41 au bazar qui présent ba voter oui pour na kokende ya Godin Poi na tête ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa. Voilà quelques sujets d'actualité. Il y a tant on a les lots dysfonctionnement au sein de l'appareil judiciaire de notre pays. Cause peut pas remettre n'ango ni sali que depuis battant rebelle justice est singulière et élevée nation et commis bon au détruire nation tata mokonde ko loba ki ango malheureusement justice nabiso ezali ko tambola lolenge singulité le lot aux ana deux personnes oyo bazali ba avocat o bazali bon ba ya mibeko to robeta na bango li solo wana ni nezo sala ba mo oyo ezo souffrir faire souffrir justice nabiso ezali solo ni s'il faut traiter il faut ko banda et que ça la biso combien de temps parce que ezali très important ce qui justice et simbami économie et simbama ba domaine et belé ko simbama pemboka et ko kende bongo liboso processus électoral pourquoi le FCC refuse de rencontrer Denis Kadima position na bango baso garder en gros et pourquoi nous allons en parler aussi la question de la ville province de Kinshasa est-ce opportun de faire quitter ou bien de chasser de déchoir comment le président de l'ensemble provincial juste 5 mois avant les élections. Est-ce que ma BAE et Zalaki Bongo, Koye Banate ou Te Bande, est-ce que Zalaki opportun, Yakosa Yango, Tango Kaka, et Tikali 5 mois, Tokenema Poum, Tokolo Belaba cause, Pe, Nayango, Na Bande Kobazam sur place, mon Amboka, Maître Janolo Pepe, Azali Bongo, ya FCC, personnalité politique, Pe, membre et famille politique, y a ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, Ndeko Janolo. Au PP, vous pouvez déjà vous avancer, mon Amboka. Bote, madame Normi, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien habillé. Non, mais merci beaucoup, madame. Donc, vous aussi également. Donc, toujours continuez à vous dans l'opposition. Ah, opposition, un bilan qui tourne. Vous avez la tête qui tourne. Non, mais s'il vous plaît, maman Normi, en attendant que je prends ma place. L'opposition, l'opposition, c'est synonyme, il y a pauvreté. Ok. Bonjour, mon nom. Tout ça, moi, différent avant de Kojoel, parce que, ou bien à l'époque, il y a eu des pèses. Bon, de Kojoel, là, moi, quand même, la profession, il y a ça, là, c'est comme nous, aujourd'hui, tout ça, en opposition, mais chacun de nous, a la profession, là, madame. Au sommet, là, dans la carte de la mission de la FCC, il y a même des cordonniers, il y a catégorie Nyonso. Il y a bateau, bah, ça, là, comme ça, là, mon son, donc. C'est différent avec, moi, bah, parti, mon sous, ou, bah, comme il y a pouvoir, bah, comme vous l'accessez, vous marquez, effectivement. Et vous allez prioriser d'abord, c'est la jouissance. Ce qui m'ont dit, ça, ça n'a pas vivre dans mon salon, c'est que quelque part, l'État a tiré un moyen en chair pour que. Non, pas du tout, madame, pas du tout. Je crois que même un de vos amis a intervenu. Parce que, vous voyez, que dans le secteur, c'est libéral, madame. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Aux hommes, et surtout que non, la plupart, même, bah, partenaires, comme des clients. Ce sont surtout dans le secteur, il y a l'État. Malheureusement, dans le secteur public, on s'est retrouvé absolument rien du tout. Parce que moto haut va payer salaire, je crois, va vacciner au moins 40 000 ou bien 20 000 francs. Les lots avec les taux du jour, avec 250 000 francs congolais, comme 100 dollars, madame. Vous pensez qu'il y a une maison, il y a un foot bon horaire, non? C'est très difficile. Au sommet, donc, je suis dans le secteur libéral, mais ma client, il y a beaucoup plus. Quand il y a un secteur public, ce qui secteur qu'on les a marché, n'était pas dans le bango. En tout cas, il y a difficile, non? Je suis dans le secteur, je vais retourner dans le secteur. Ok, merci beaucoup, mon avocat, tout ça, maître Joël Kitenge. Moi, je connais Sali Ebele, fils maison, à Zongeli Bissot, avec force, mon avocat, mon beauté, Péboye Bolam. Mon beauté, mon de Pognon, son bako sala, na Congo Bess. Merci pour l'invitation. Merci. Très bien. Nous avons un sujet, mais il y a une bande de vidéos et comme virale sur les réseaux sociaux. Il y a un combattant, il y a eu de paix, un certain Roger, les combattants, qui s'achampe contre le VPM de l'intérieur. Nous avons eu de paix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, attends de me dire, rien ne se passe. Mais il y a une vidéo, ils ont tambola, Non, non, d'abord... sur les réseaux sociaux. Non, d'abord, il faut... Il ne faut pas trop qu'il y ait la maboko anarchie. Ok. Le pépé qui est en face, il vous a dit en intro, c'est un avocat.
Ne parlons pas que puisque Jeannot perd notre autorité ou vous, quelqu'un d'autre. Na solo li na Jeannot. To bengane alo mon cher boye boye boye. Na registré ye, na voice. Na kamati na publie. Il faut d'abord que l'on la pratique. Un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a n'importe qui. C'est le numéro 2 du gouvernement. C'est une grande autorité. Et celui-là, non seulement ça, Bapuna est à Lemba. Il a un mandat d'une partie à Bakongolais comme député provincial. Non seulement ça, c'est un avocat de surcroît. Je peux même vous dire en ajoutant, son fils aîné est même avocat comme nous. C'est un papa. Anna Ban, Banou et Abouti, qui sont déjà avocats locaux là, Yvon. Ivan. Alors, à ce titre, lorsque vous dites être combattant, délit d'EPS, un cadre, délit d'EPS, une autorité étatique, vous l'appelez d'abord par volonté, il vous reçoit, vous l'enregistrez dans la discussion pour faire du buzz. Alors, vous appelez ça combattant. À quoi vous allez qualifier ça d'un combat ou des antivaleurs? Alors, je ne permets même pas la chaîne Logo la Congo Baise Mounen Nayango. Dimaswa Moussala Nayango, tous les sujets à Kolobela, un certain Roger, combattant de quelle cellule, de quel parti, qui ne sait même pas qui vit en France, mais il va t'en reformuler ta phrase en français. Dans la même conversation, il y a une preuve et preuve. Il y a Takengai, il y a Mbriye Batou. Il ne sait même pas embrier et attaquer, mais qui vit en France. Est-ce que le combat. Il y a eu des personnes qui sont allées à et il y a inconscience et il y a des anti-valeurs. Moi, je veux bien. Je suis allé à Kayango et je suis allé à Boloko, à Batouka, à Kanabiso, à les dénoncer. Dénonce le fait. C'est naturel, c'est normal. C'est ce que l'opposition et les autres font. Aza ministre, Aza congolais. Il n'y a qu'avec des éléments probants. Quand vous analysez cette vidéo, vous sentez à vous, il lui reproche quoi? Bon, parlons dans le mot. Aux collaborations, na général Kassong. Jusqu'à preuve le contraire, nani commanda ya ville. Il y a une vidéo qui se. Non, c'est ça ce que j'ai déjà. Non, non. C'est lui qui dit compliqué. Est-ce que vous avez la vidéo? Laquelle vidéo? Mbongo, Bazako déposé. Ou laquelle vidéo? On est en train de remettre. Je vais vous informer. Pour des raisons à cause là, qu'il t'était. Maître Jeannot est un praticien, il connaît son confrère comme avocat, tout le monde a un combat politique. Peter Kazadi est propriétaire de plusieurs parcelles avant d'être député. C'est un avocat à l'éloté. C'est la génération d'Abisso, tout le monde a la profession d'Abisso, un aîné à Moussika. Génération d'Abisso, moi, Nanaï. À des immeubles, ses enfants et sa femme vivent au Canada depuis 7 ans. 7 ans. Toute la famille, à part ceux qui sont avocats qui restent ici travailler. Avant Bima député, alors que Tokomi n'a pouvoir en 2019, ce n'est pas minable. Il a deux véhicules avant, et il a des immeubles avant et des appartements avant, dès son travail en tant qu'avocat. Alors, dites au niveau de Peter Kazad, quelqu'un qui a déjà tout, c'est pas minable, vous le parlez, on va appeler ça qui est Jeep. Tu vas un peu, aux autres, un niveau un peu à raisonnement, on va appeler ça qui est Jeep. Quand Kassongo est commandant de la ville, et du point de vue à fonctionnement de l'État, que Roger, et ça, niveau n'a été, à quoi comprendre de Yangote, qui nomme un commandant de la ville, donc un numéro un de la police de la province, c'est pas le VPM, c'est le président de la République. Et ça, la compétence n'a été. Maintenant, il trouve quelqu'un qui est nommé par l'ordonnance. Il y a un chef hiérarchique qui n'a pas du point de vue à fonctionnement. Et vous dites à Kouta, au collaborer n'a été. Vous trouvez ça comment? À collaborer n'a été. Donc, c'est quel raisonnement? À taba poupée, n'a qu'à t'y accrèche. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Très bien. Ton côté raciste. Alors, si vous avez bien gangaï, toi analyser, aux autres ambongs à Libanais, aux autres ambongs à Indiens. Parlons-en, j'ajoute un autre mot, il y a bavante des organes. On attend tout le monde de ce genre de faits. Kinshasa, on l'a pas dit en athée. Na nga ina sala kana risi deso. Na ebisi miro ma risi deso le lom mutunde konanga za kuna ebisi. Bati e poison, va empoisonné. C'est que ma inyo so risi deso ba empoisonné kana bori nyo so ka. Tome la ka yango to sala ngoti le lom et to sala kagaka.
Ceux qui vont empoisonner, c'est des millions qui vont mourir à moins d'une semaine ou deux jours. Parce que les millions ont été coupés, ils ont été enterrés, ils ont été morts. Lorsqu'on dit la vente d'organes, certainement, est-ce qu'on a déjà été une fois dans la tabine de la presse, dans l'émission de la Magamba sociale, les alliés, place bazo sala enterrema dey ya muto bakutika ka korba si balongo di biloko nyoso. Ah, il y a un papa ouais qui na koso ya zar ba fota mo na ba. Le papa parle d'un garçon qui est venu prédoter sa fille qui vivait avec sa fille dans la même maison et qui a assassiné sa femme. Et l'Anthony en question est identifiable. Il dit lui-même avoir trouvé un corps en décomposition. Où est le rapport scientifique, il y a police scientifique qui peut, puisque c'est un corps en décomposition, pour qu'on ait déterminé viabilité, il y a organe comment. Mais si c'est une... Ceux qui te lobby pour que l'autre commune qu'on défende le mal, nous parlons de la rationalité, il y a raisonnement. Mais maître, qui est une question, il y a rumeur, il y a solo et... Non, pas rumeur, lui, il s'attaque à... Pourquoi ne pas faire des enquêtes, na et talibongo, vente, pays, les enquêtes, non, non, trafic, il y a des organes, c'est un soupçon. De victimes, il y a un trafic d'organes, on en a combien? Vous savez, pour que balongo l'organe na kati ya mutu, il faut qu'il y ait un neurologue, comme on l'a dit. Na Congo analysé, nous n'en avons plus, nous n'avons pas même 5 spécialistes dans ce domaine qui pratiquent l'extrait d'organes et l'implantation ou greffe d'organes. Quelle structure médicalisée qui a mesure de telle technologie? Même les hôpitaux qu'on cite, ils n'en ont pas un spécialiste de cette taille. Il y a peut-être un aux cliniques universitaires et qui travaille partout en Europe, on les cherche. On les a combien? Citez les noms de ces neurologues-là. Puisque ça n'a pas veine, n'a pas vaisseau ébellé, l'enlever, conserver, ou aller le faire, lesquels d'hôpital, nani à Congolais, oyo, a si à bénéficier à greffe et organe à Congo. Quel hôpital, quelle structure médicale qui pratique ça au Congo? Mais on soupçonne. De côté. Non, non, on ne met pas de côté. Vous n'allez pas pousser les autorités à table, s'enquêter sur la rumeur. Mais quand on enquête sur la rumeur, on ne vient pas avec les enquêtes dans la place publique. Qu'on soupçonne Naomi, on soupçonne Jeannot. Sinon, il va se soustraire même. Certaines informations sont bonnes. Les kidnappeurs... Et ceux qui pratiquent bah, extorsion, bah, vol, on dit ce qu'ils disent, on nie ce qu'ils peuvent nier. Nous avons le caractère du procès, n'engue ça les mac. Mais à la part, il n'y a plus de cas à dire dans ça, c'est quoi? Très bien, c'est ça la question que nous devons analyser et pas un petit, un monsieur Bado qui vit, qui je sais pas, qui dort peut-être dans la gare du Nord, à Poto, et qui ne sait même pas poser sa tête. Incapable à formuler fort en français et qui dit Naza combattant. Il s'est dit combattant, il opère au nom de Félix Tshisekedi, président de la République. Écoutez, même les macaques disent ça aujourd'hui. Tout le monde se réveille et dit je suis Tshisekedi, je suis combattant. Mais ça veut dire quoi? Il est combattant plus que Peter Kazadi. Très bien, merci beaucoup Maître Joël Kitengoza qui n'a procès à notre Zongilao sur Yango et Mboto Simbaba Moya Justice, Ndeko Jeannot Opepe. Un mot par rapport au procès, est-ce qu'on relevait quelques illégalités dans le dossier Yango? Est-ce que nous sommes en boli malam selon justice Nabiso, Bakangi Bango, Ndeko Bazaya qui jugé en flagrance, peut condamner Bango, Mingi en peine de mort, peut Bamsusu Abaswa qui 10 ans de prison? Est-ce que Olanda qui procès à votre point de vue étant qu'avocat? Non mais madame, d'abord merci beaucoup. Avant d'assumer la question, mon métier là, il y a procès avec une paire, voilà. Oui, bien, naturellement, même l'argument, il y a joué le kiting. Ah, mon métier, il y a ici, c'est audio et vidéo, c'est qui là dans les réseaux sociaux. On peut tout dire reprocher à Peter Kazadi. Il y a une grande partie argumentaire dans ça, d'accord, en haut. Par rapport, il y a personne, il y a Peter Kazadi. Mais ce qui est encore grave, c'est quoi? Peut-être na dessus, il y a vidéo, voilà. Mais les reproches sont simples. Au lobby en clair, il est deuxième personne au sein du gouvernement de la République. Donc, à un certain moment, étant que ministre, étant que VPM, il faut en avoir qu'on se comporte. Ce n'est pas que je ne pense pas que je vais le faire. Il ne répond pas. M'appelle, je ne réponds pas. Appelle, oh, il y a des gens qui ont été en train pendant 10 minutes, 5 minutes. Et vous le laissez aussi le, tout le temps. Il y a le banayo qui se sont en train. C'est ça maintenant le problème, Yangwana, madame. Parce qu'à un certain moment, dès lors que vous avez nommé dans le niveau, il n'y a rien en République. Madame, ne fût-ce que l'éthique. Il y a un gouvernement, il faut ça là.
y a moral, il faut ça là. Bapel mo tako benganga appel on a ebi yango te na ko ya matin osomona suka nga ko tsanga mona ba babuzo ba moko boye lui na niveau na ye ta ke vepe il ne fallait pas laisser tout le temps wana c'est ça les problèmes yango na madame osomona pour le reste ça c'est pas notre problème ba question da ko le bango no ba pisa ki djip ou pas mais si y a djip suka za solo ou bien lokuta mais gouvernement ba banquette yezali yabi mi sa vidéo to mona yango osomona madame si le site ko par rapport à dossier ya général Kasson mais moi je crois que na ba ordonnance le qui awa général Kasson va déjà remplacer bientôt déjà 3 mois depuis que l'ordonnance d'agi est élu au niveau ya na RTC même publié dans le journal officiel mais pourquoi il y a pas remise et reprise qui bloque est-ce que c'est le VPM de l'intérieur ou soit au niveau ya nini ya commissariat général de la police. Si c'est la question principale, les gens, moi, madame. Mais pour le reste, je crois que Peter Kazadi. En tout cas, n'a rien commis, moi, madame. Il y a des appels qu'il faut inviter. Appel au bien, origine à téléphone, c'est inutile de répondre à moi. Ce n'est pas normal. Parce que dans ces jeux-là, maintenant, il y a un qui est maintenant ridicule sur la place publique. C'est Peter Kazadi. Comment parce que mais s'il vous plaît, madame, même réaction, il ne fallait pas arriver à ce stade. C'est comme ça qu'on a vu ce que non aujourd'hui, jusqu'à peu du contraire, l'IDPS continue à avoir toujours problème avec le cadre. L'IDPS doit avoir encore le cadre, madame. C'est très important. Même des ministres simples, à gros, tout le piège, on a été impossible. Quelque chose à la Tshisekediste ou pas, il ne fallait pas qu'on se rabaisse à ce niveau-là. La moindre des choses, il y a qu'on t'appelle. Malheureusement, tu me dis pourquoi on a pité à Kazadi à continuer la conversation. Là. Mais ma grand-mère, il y a potion, madame. Au-delà de tout commentaire de Rossa Lango du point de vue doctrinal. Mais on a une réflexion, moi, simple, madame. Dossier, bah, qui n'a pas, il y a d'abord un assurement. Bah, si c'est, bah, on a procédé à flagrance. On a procédé à flagrance et on a la sérénité, là, madame. Et où la ganangote voilà. Bouffe, va bah, vous condamner. Dès lors que l'équipabilité est bien établie devant le juge, je crois que va bah, vous condamner. Mais question dans les allées simples. Avant procès, il y a bah, flagrance. Il y a eu aussi d'autres procès, bah, flagrance. Mais bah, bah, il y a la bah, sécurité de l'État. Il y a un bah, coup d'État et soukawap. Dossier soukawap. Bah, bah, dossier local, là, bah, bah, François Béa. Et c'est qui va bah, procès, bah, flagrance. Il y a beaucoup de cas, kanga bato. Soit disant qu'on défendait devant les juges, parce qu'on répond beaucoup de magamébélé. Mais pourquoi parce que les juges, pourquoi on ne les condamne pas? On a arrêté, on a vu, on a arrêté, bah, comment il s'appelle, d'autres opposants, ma collaborateur, Moïse Katou, Salomon Kadela. Mais pourquoi on ne les juge pas? C'est ça maintenant le problème. Aujourd'hui, on a parlé, madame. Bon, pendant que l'accès, ok, non, résume, oh, on a évité de façon de qualifier bah, encore. Parce que bah, la question va procéder, il y a flagrance tellement ébélé. Mais est-ce qu'on a soukaté? Mais pour la kidnapper, non, mais s'il vous plaît, madame, ce qui vous déférez, moi, madame, vous décrétez, on est procédé à flagrance. Ce qui vous tient, c'est qu'on se souhaite que le ministère public, il y a des gens qui sont devant les juges, les juges, que nous avons des juges, nous avons condamné. Ce que nous avons reproché, madame, avant procès, il y a Salema. Le procédé, monsieur Salema, qui est déjà bien avant. Mais bah qu'on en a battoté, bah qu'on en a battoté, il y a des généraux comme général Yav, asa na bolo koti lolo non, procès na etikala mon amonti, il y a des généraux comme Jadida, bah kanga ti lolo, procès etikala au salle matin madame, il y a beaucoup des opposants, bah zo qu'on en est bah koti na bah juge, mais c'est quoi les problèmes? Mais par rapport à dossier, on a vu la sérénité, il fallait à tout prix à condamner, mais les problèmes sont quoi les madame? Nambo kana bisu tokomi na problème moko. Aujourd'hui les principes d'innocence. Parce que ça, principe, il y a droit. Principe, il y en a la présomption d'innocence. Et ça, consistait le soutien de Mboka Labisso. Parce que dès lors, ceux qui sont dans les médias déjà, nous avons passé pour nous, il y a un journal, vous avez vu ça pour nous. Ceux qui ont dit que non, tel aïba qui m'a dit, mais c'est fini. Et les juges, et le ministère public, tout le monde va s'emporter. C'est ça que raisonnement, ils ont le cas. Donc, principe, il y en a tous, il y a présomption d'innocence. Et comme il y a un danger pour Mboka Labisso. Parce que c'est difficile que nous battions en. C'est difficile que nous ne pouvons pas innocents sur la baron. Parce que tu as la caractère à poursuivre. Ce qui est tribunal, par exemple, a quitté Batoumoussou Souana. Est-ce qu'on a une réaction à l'opinion publique? Si ça maintenant va difficile de communiquer. Parce qu'il y a même des gens à poursuivre, on a sauté, madame. Mais tout le monde ne peut pas avoir condamné Bangoté. Mais vu qu'il y a la clameur publique, tout le monde a fixé un regard et créé Tolé Nambokale. Il faut qu'on condamne à tout prix.
C'est comme si je suis dit, parce que na contrainte, mon coboy, na obligation, il faut qu'on ait condamné Bango. Et pourtant, la justice, la justice est libre, équitable, madame. Je crois qu'il fallait battre ce qu'on va perdre. Mais ma victime, il y a des victimes, oui. Pour des cas de victimes, là, je suis d'accord. Ceux qui va se constituer la partie civile, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, madame. Osomona, inquiétez de la souk encore, dossier mamoutal, il y a Ebiango. Débat au bambou, si il y a peine de mort. Eh, bonjour, qu'on en est pas perpétuité, mais bonjour, ma précaution, nini. Bah, mais si, nini. Oh, bonjour, que non, peine, on est à l'exécuter. Parce qu'il y a eu des cas récents, la plupart entre Bangouana. Mais si, bah, mais il y a comment va rester, Kobima? N'a qu'à t'y aboloko. Soit, bah, faut qu'il soit à Bango, soit, il y a eu beaucoup de choses qui se passent, madame. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire à la télévision. Lorsqu'il y a un avocat à suivre le dossier, il y a aussi la prendre en compte à client, je crois qu'il y a une intelligence pour obtenir la liberté à client. Mais contrairement à l'opinion et l'opinion publique, ce que la population a réagi, ça ne se passe pas comme ça à la justice, madame. Très bien. Mon temps a 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année, et qu'il a consommé de la peine, il y a des mécanismes déjà prévus. Ou l'avocat a la pour obtenir la liberté, abîme, madame. Mais ce qui est encore parce que par rapport à la réaction, c'est ça le problème, Yangwana. Et que l'État congolais, dans les jours à venir, tout côté là, non? Bah, qu'on en est, bah, oui, d'accord. Je crois que non, bah, ça même, il y a aucun niveau, il y a appel. Bah, qu'on interjeté, Yangwana, parce que bah, ça, qu'on a premier degré. Il y a encore deuxième degré parfois. Bah, qu'on a la paix à quitter. Mais question, elle est simple, madame. Est-ce que suivi Kouzal? Très bien. Problème, il y a ma casse, Yangwana. Parce que ce qui se passe même dans plusieurs macales, au Yébi qui va condamner, même, le coroner, qu'est-ce que les responsables, bien, numéro 1, il y a plusieurs centrales, il y a macales. Bah, qu'on en a, il n'y a pas de trafic, il y a bangi. Bakanga et Nabanga sont pensés à détenir Bangui. La prison centrale à Makala. C'est comme ça que Basaki possède, il y a toujours la flagrance. Lui au moins là qu'on en est à 10 ans. C'est comme ça que notre peuple foyer Bakeno. Namakamonio soit madame. L'État faut jouer rôle naïe. Merci. C'est très important. Ce que l'État allait faible, n'a défaillance naïe à sécurité à Banamoka. Je crois que Bakana et que continue. Très bien. Merci beaucoup. C'était important de signaler que justice n'a gouvernement et Zali séparation. Parce qu'on a principe, il y a séparation du pouvoir exécutif, judiciaire. Mais tata me conduit Koloazo à yo qui passe à Zad dessus. Le fait que Makamonio soit sali pour la justice et Tamboli Penza le dengue et Senga Makite. Ninezo Tungisa justice. Justice n'a biso solo. Dans le Belango, on a maître Joël Kitenge. C'est vrai que rebondir n'a ma cam de Kualobi, la Simon et ma casse, et tout ça, justice n'a biso. Et ça dit que 5 ans après, chef de l'État, ils ont regretté car la justice, ils ont simbaté. Quand on a justice, ils ont biso, ils ont la canine, ils ont biso, ils ont biso, Joël Kitenge. Merci, madame, pour la question. Bien avant de répondre à ma cause, et puis, vous savez, pour parler de la justice, ça ne peut que constituer un sujet moko particulier. Auto vandi, auto tie mambo moussou souté, to koti pena mousindo à la justice, puisque eza mingi. Dans tous les aspects, puisque quand on parle de la justice, souvent tout s'arrête à kana juge, ou à siège, na magistrat. Oui, c'est parquet. Bongo ba inspecteur, bongo ba APJ, bongo ba greffier et tout ce qui est afférent. Ya emnen into sibisa kaba trafic, ya ba exploit. Et dans les liens, il parle à sa propre personne. Personne et comment vous tout est? Donc, je vais mettre le bourreau en voilà magistrat, voilà inspecteur, voilà juge. Le juge n'est même pas là. Greffier mort à moi, un franaï. A bétéologue. Donc, justice, c'est au-delà de ce qu'il y a. Voilà, on a touché caca aléatoirement avant d'y répondre. Je vais rappeler Nande Konabiso Jeannot que certaines fois, as avocat, il n'assiste que dans le dossier bah, consultant qui est ou ses amis qui sont consultés dans tel dossier bah, qui sont informés en tant qu'avocat. Mais procès, il y a déjà dit que le calendolo. Jadji a comparé et ça continue. Il faut retenir que Jadji est la suite et à procès à Chebea. C'est dans ce cadre-là, puisque corps, il y a Videl, donc le reste, il y a corps et à Videl Bazan a été trouvé dans la ferme. C'est suite à ça que Jadji a été interpellé et ça. Suite na yango. Après, ma décision, on a souvenez-vous que Karine Lokeso, donc, quand un des condamnés d'un dossier qui en appelle, donc, c'est tous ceux qui sont cités dans cette affaire, bah, qui na haute cour militaire. Bah, ça même na au sens et à souka, na haute cour militaire, puisque, bah, prévé, bah, condamné à cour militaire, donc, le Karine, est allé en appel à ce stade, et Zako Kende. Tout comme Général Yav, son dossier, et en cours d'instruction nandolo na haute cour militaire. Ils ont coévolué, mais à ça,
ceux qui traînent, c'est que c'est des avocats et même Dengebiso Tozalaka a des fois procédure pour Ekende, nous soulevons beaucoup d'exceptions. Ce que vous soulevez par exception, par exemple, l'inconstitutionnalité, c'est le cas pour Naé, c'est le cas pour Nakabundu, son dossier est resté là en suspense, puisque ses avocats ont soulevé par exception l'inconstitutionnalité. Maintenant, le juge est saisi en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce, puisque Ezali, exception d'ordre public, a tout à faire, se sent, il faut évaluer. Voilà. Et il y a de ces procès qui sont en suspense, puisque les avocats eux-mêmes, la partie pour prévenir, a soulevé des moyens qui met la cour ou l'instance saisie en difficulté. Rien à voir avec le pouvoir en place, parce que l'opinion publique est pur, c'est du pur la procédure, c'est purement la procédure qui n'a rien à voir. Ce qui est boutique à Kézokokend, vous soulevez par exception, on a dit tout, vous joignez au fond et poursuivez dans la cour normale. À ce moment-là, on peut reprocher tel ou autre. Mais dans ce fait-là, les procès continuent. Il suffit seulement de faire un tour dans Ndolo. Il y a des procès Moussoussou et ça non médiatisé. Le fait qu'un procès balekisi yango na presse était ou presse a quelque senga accréditation pour couvrir yango te po nanyez à la qu'est-ce qu'on appelle l'opinion publique à la fixer, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Et souvent la chaîne comme justice a fait des sommiers pour être derrière tous les procès. Ce qu'on a dit, c'est quand c'est dans magazine, et en tout cas, c'est par jour, il y a des litanies de procès que justice a fait passer. Mais tu te racontes, ces procès qui font bruit, ils ont procès à Bato Baebani Makasi. Là, on sait, ah, Bakanga Kiter, puisqu'il est politicien. On imagine comme si le politique ou celui qui a un peu de responsabilité, il vit dans un autre monde que les procès du comète mortel. Mais tout continue à se faire normalement. Très bien. Et la sérénité chez nous, moi, j'ai toujours été fan. Je dis bien fan. Il y a justice et militaire. Même le procès de Salema qui a été kidnappé, au besoin, si cela a été fait devant les instances militaires, sérénité, Moussou Selinga, que les cas, on a c'est au-delà. Pour quelle raison? Moi, ma petite soif que je reste, c'est de savoir que nous avons comparé un dossier, on a comme l'un des avocats. D'un côté, il y avait des policiers. C'est l'exception qui continue encore, puisqu'on a 4 yangwa suspense, on n'a pas tout condamné, puisque il faut d'abord, moyen, on est là, vider le tribunal, a été frappé d'un moyen, il y a incompétence. Alors, c'est une exception d'ordre public. Bako saisir une instance afférente pour se prononcer quant au droit, il y a que sambisaba policier ou les déférer devant leur juge naturel ou l'instance compétente. Dès lors que ba civil naba tout en armes baza coopérer ensemble. Et dans le propos même des victimes, certaines victimes affirment ba tira kinga, on a vu des gens qui présentaient des stigmates et amassas. Donc, ce sont qui opèrent avec des armes. Tous ceux qui opèrent avec des armes et qui opèrent avec des hommes en uniforme, on connaît l'exception, l'instance habilitée, c'est la justice militaire d'après leur hiérarchisation. À ce niveau, oui, ça c'est encore un autre moyen. On découvre également, du point de vue de la justice, pour rester dans les méfaits, par exemple, Isaac Kabakaba et la bande de ses amis, il y a une vidéo que vous constatez au moins qui circule, qu'ils ont été envoyés même à Kanyamakasese. La vidéo où il parle à Kanyamakasese, c'est sa botte jaune, tenue bleue, existe. Ils ont quitté Kanyamakasese. Comment? Ils se sont retrouvés à Kinshasa. Comment? Ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas mâcher le mot, les enquêtes profondes, mais ce n'est pas de la compétence du juge. Là, nous sommes au délai à limite et à TGI Gopé. À Kanyamakasese, c'est bon, on enquête comme qui? Par quelle compétence? Ta commission rogatoire et angoisse, ça l'angoisse n'est rien. Mais il y a des enquêtes administratives qui peuvent se faire au niveau de l'hiérarchie de la police, des services de sécurité, des services de renseignement. Dès lors que ces garçons font usage d'armes, l'approfondissement de ces dossiers, du point de vue des enquêtes extrajudiciaires, j'insiste, c'est pour déterminer la responsabilité de certains membres ou services de sécurité qui sont beliqués en train d'agir et l'ego n'a pas tout. Puisque l'objectif pédagogique d'un procès, c'est le démantèlement d'un système où ils ont endeuillé, où ils allaient faire soustraire Batoubilo, qu'on sécurisait et ça ajoute la peur. Dans quelle période? À la veille de la francophonie, à la veille, il y a l'organisation des élections générales à la République démocratique du Congo, il y a une puissance. Et l'objectif profond, c'est d'en arriver par là. Pour citer en quelques, moins d'une minute, dans les cambolitas de justice, les mots sont simples. Justice, tout comme administration publique, tout comme fonctionnement, il y a une institution de l'État,
ennemi monene ya Congo yali kanyaka. Okay. Ennemi monene ya Congo yali kanyaka. Soki ngai na komosala musala na ngai, je m'attends qu'à mon salaire ou à ma prime et j'agis tel que le droit me recommande. Je ne vois pas comment je peux bénéficier 100 ou 200 ou 300 pour accorder ou vendre un arrêt, vendre une décision de justice. Clientélisme, la corruption et beaucoup d'autres moyens du point de vue de l'administration fonctionnelle de la justice. Je ne parle pas, il y en a, organique. Organique et fonctionnel. Pourquoi je parle organique et fonctionnel? Comment vous allez imaginer qu'un magistrat peut faire 10 ans ou 15 ans dans un parquet? Depuis qu'il est engagé dans l'appareil judiciaire comme magistrat premier substitut ou le reste, il n'a jamais quitté par exemple le parquet de Calame ou le parquet. Mais comment se fait-il qu'un policier peut faire 20 ans, 25 ans en poste? Il a fait des amis. Il connaît tous les réseaux. Et enfin, il devient commerçant. Respectons la règle et la mutation de 3 ans à la moyenne, 5 ans maximum. Bon, bien côté moi. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joël. Et beaucoup d'autres. Et donc, Makamba Justice, c'est ça, l'aspect. Et bien, tu peux trouver un sujet pareil. Et vous nous invitez pour qu'on parle. Pourquoi tu as parlé de justice, Bissonios? Tout solo, la Makamba, ils ont combattu Bisso. Bisso, moi, avocat, tous les lacs. Puisque nous, nous vivons de ça. Lorsque il y a pas magistrat, moi un frère qui a fait ça, mais il y a un magistrat. Mais si on a un magistrat, les années, eh bien, la révocation. Il y a un magistrat qui a 7 ans, 50 dollars et puis à côté 5 francs. Ce qui a payé, certainement, il y a qui a reçu cet argent. Voilà là où je vous dis les enquêtes extra-judiciaires. Okay. Il a donné l'argent quelque part. Beaucoup l'un des numéros à RMP à dossier, ça veut dire le dossier qu'il a envoyé dans telle instance ou les numéros RP, c'est des gens qui ont instruit. Et les documents des pièces qui ont concouru à sa libération, il y a une signature. Très bien, merci beaucoup, mon avocat. Qui a signé? Monsieur Salobi Abimina, grâce présidentielle. Bien sûr, puisqu'il a été condamné à 3 ans. Okay. Et c'était prouvé, puisque les pièces existaient. Il a été condamné à 3 ans pour l'infraction et à vol simple. Alors, ce qui a conquis, c'est déjà 2 ans, dans les 3 ans, au regard des droits, à comme éligible, puisque ça a purigé presque 3 quarts, il y a peine naïe. Là, c'est comme il a dit ça même dans le début. La règle existe dans le droit. Très bien. Dans l'état de droit, on arrête, on libère, on acquitte. Donc, la libération de quelqu'un n'est pas un scandale. Si le droit a prévu que telle infraction, c'est 3 ans. Maintenant, vous voulez Moutoso qui a commis à 3 ans, n'aïe, bagarder Kakapa Ibaka. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci pour ces précisions. Ndeko Jean-Nolan Pepe, Bamo Ezo Boma, Bongo Justice Nabiso, le chef de l'État l'a dit, il est dessus. A Pemba Lalibosote, justice théâtralisée, justice boé boé boé. À quel moment pouvoir Ezo intervenir dans le bon déroulement Yamakamuna Katia justice? Parce que de pouvoir Ezo Kokabona, quand même, influence. À pouvoir en place les alliés pénalcat à quel moment et mon salaire en gros les alliés n'est scanné ni pénza au régime tu sais que d'échouer dans le domaine voilà non mais d'abord madame merci beaucoup pour la motouna naïo je crois que nous avons été je vois l'habit tout à l'heure à Maram Italie à l'aspect à justice surtout beaucoup plus il n'a pas voulu à côté d'un abonné n'a volé politique à qui est mingi mingi n'a volé administratif au niveau à justice n'a pas qu'on a bisou mais on a quoi aborder beaucoup plus c'est Maram Italie à politique madame parce que qu'est-ce que dans mon simple. Quand le président Zako Lobakeno, il est décis par rapport à y a fonctionnement, à justice, dirait un mandat naï. Mais ce qui est responsable? Moi, je pense que non, c'est lui le responsable. Ah bon? C'est lui-même le responsable, il y a chez qui a justice. Parce qu'il est garant des institutions, madame. Il y a au moment de la constitution, il y a confrère, les législateurs congolais, les pouvoirs constitutionnels originels. À conférer pouvoir à la chef de l'État. Alors que nous allons aller garer des institutions. Garer des institutions, non, et ça n'a volé mon côté, non. C'est dans l'ensemble des institutions, nous sommes à 4 Yamoka. Nous allons numéro 1, nous allons au-dessus de mêler à tout le monde. Mais contrairement avec Tshisekedi Tshilombo, ici, il y a d'abord un, l'aveu d'échec. À ça qu'on peut s'assumer. L'échec n'a rien à cacher à secteur à justice. Mais il est parce qu'en réalité, c'est lui qui a échoué, s'il vous plaît, madame. Je suis en train de réfléchir, madame. Je vous en prie. En réalité, c'est lui. Puis comme ils ont une stratégie à IDPS, aussi à IDPS, bah, ça c'est ma question qui n'a pas monté. Depuis que tu as le régime à Tshisekedi, depuis le début à côté de la pouvoir, si l'autre côté a fait un mandat, il rejette toujours la faute des Arabes. Il y a ça, c'est ma raté.
Et c'est ça la stratégie. Donc, pour la bango, les bas s'assumer ce que la bango, non, ici j'ai échoué. Non, pas du tout. Là, ça qu'on rejeté à qui? Et pourtant, ça a plein pouvoir. N'a le bibou, madame, qui nomme ministre de la justice? Ce que la justice a fonctionné, c'est que y a la toile dame, comment elle s'appelle encore? Madame Rose Mutombo. Nani Anoumaï. Qui a reconnu la dame là, à la tête du ministère de la justice? C'est toujours lui qui s'est dit tout le monde. On se compare à la madame. Aujourd'hui, il y a le président qui est là. Il y a Kamouleta à seconder avec les autres. Il y a un organe qui est magistrat. Mais il y a un homme qui est en confiance. Mais c'est toujours ce qu'elle dit, madame. Aujourd'hui, au lieu d'y voir, tout le monde reproche la justice. Mais il y a, madame, ce qu'on a dit même, règlement intérieur par magistrat. Il est prévu beaucoup de sanctions. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? Parce qu'il y a une complicité, comme Joël l'a dit. Il y a la complicité entre l'animateur, n'est-ce pas? Il y a le conseil supérieur de la magistrature, n'est pas magistrat. Comment master? Magistrat, quand c'est la cour, il y a un bon, il y a un chef de la cour. Chef de la cour, il y a 10 000 aux Arabes. Il y a une enveloppe, il y a 5 000, 6 000. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'en réalité, ce qui n'a pas été possible, madame, ce qui est de Tchilombo, assassinat qui est la justice, je crois qu'il y a un peu. Parce qu'il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir de révocation, il y a un pouvoir de révoquer Batouana. De l'autre côté, je suis content, la moindre des choses. Moi, j'ai aimé, quand elle a sali à Véouana, mais Natongo Nango, la banane aussi, la Gnata à la télévision, a révoqué madame la ministre de la justice. Mais pourquoi révoquer, elle dit? Pourquoi révoquer même pas l'animateur et la conscience supérieure de la magistrature? Et les autres, mais il faut la révoquer Bango parce que Bango Bazana organe. Voilà, ce sont ceux qui gèrent les magistrats. Il y a parqué même, il y a siège Bazo gérer Bango. Donc, il y a c'est prévu, madame. Dans le niveau coup, qu'on se même dans le niveau, il y a coup de cassation. Mais c'est pourquoi ne sanctionne pas. C'est qu'il y a complaisance au ce moment. Il y a complaisance et aujourd'hui, à ta colombe, non, voilà, il n'a jamais intervenu. Maramité la libération, mais c'est encore faux, madame. Suis la yébi, non. Qui est né dans le palais de justice, madame? Koutana va au magistrat de la République. Koutana na bango. Bako, monsieur, que non, j'ai récité tel m'a appelé. Mais qui domine la justice? Nana za quoi fait de la justice? Et ça, pour voir, il y a des pèses. On connaît beaucoup de choses, madame. Vous voulez que tout le monde soit sur la télévision? Ça, ce n'est pas normal. Il y a l'éthique, la déontologie, on va tout la télévision, c'est interdit. Mais na au moins, na cadre de banalise, toi, bake, madame, la responsabilité principale. Il y a échec de la justice, il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. C'est lui-même les problèmes. Ce n'est pas les autres, madame. Oui, le problème, c'est la profonde. Je vais la relever ici, non? Après, c'est Kamoro, il y a aussi. Après, c'est Kamoro, c'est ça le Maranango. Mais il y a un problème, il y a échelon. Échelon par échelon. Ce qui est au niveau de l'écolo et à sommet, ce qui a tapé, c'est quoi que. Bah, on va se ressaisir. Mais dans ceux qui sont dans les collègues, ça qu'on peut là. On va agir. C'est ce qu'on va. Ouais, c'est pas ça là. Parce que, mais ça, le Maganango. Mais normalement, il y a des présidents à court, Bazali. Il y a même un chef, on va parquer Bazali. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? Il y a aussi, on peut se faire un mandat à cause de quitter un côté. Balé, là, bon. Parce que, le chef, on va sanctionner un côté. Donc, les mal les a profonds. Mais pour moi, j'estime que, madame, la moindre des choses à faire, il fallait quand même qu'on corrige. Il fallait qu'on révoque. Au lieu qu'on se limite dans Maloba. Vous avez les pouvoirs. Vous avez les, comment on appelle ça, madame? La compétence. Il y a qu'on agit. Mais pourquoi ça qu'on agit? C'est que le problème, c'est vous. Le problème, ce n'est pas Rose Mutombo ou bien Kamouleta. Le problème, c'est Tshisekedi lui-même. Parce qu'il est, il sait que non, l'implication de ma collaborateur na carte de justice, c'est connu et yébané nango. Donc, nga na kosenga yenin, azali chef. Le chef ne se plaint pas, madame. Au moins, vous avez pas trop émission na yo. Quand vous décidez, vous décidez. Yo mon te vita kabisu na plateau, ce n'est pas vos collaborateurs. Non, madame. Donc, lorsqu'il y a ça ne va pas, c'est à vous qu'il y a quoi agir. Très bien. Mais merci, Tshisekedi, ce n'est pas le cas. La faute, oh non, c'est les autres. Et pourtant, c'est lui le responsable. Très bien. Merci beaucoup, mon Amboka. Toujours changer si j'ai un boto, si sa émission en abisso. Mais le chef a parlé de réformes. Quelles sont les réformes attendues pour le domaine de la justice? Parce que c'est un problème, un vrai problème. Même dans la société, il y a une justice pour le pauvre, une justice pour le riche. Déséquilibre, on a un makasi. Mon Amboka, Joël Kitenge, il y a un boto, les canasiges, mon sous, ma réforme, menin, et ma réforme.
nini ce qu'il faut noter de ko azong signe sur la moto ya régime Tshisekedi nini et salemi na tango na bino na ngambo ya justice et nini tikali ko sale et tikali ya ko sale na ngambo ya ba réforme pour na ko relever quand même de fiola. Merci beaucoup pour la question na yo. Je crois que je vais répondre à l'aspect ba réforme, il est important ya ko préciser maloba Yandeko Jano, lorsqu'il considère le président de la République comme le problème, c'est aussi simple de le dire, mais na détail à développement, vous sentez comment il n'a pas pu démontrer combien et comment et le président de la République est responsable de tout ça. D'ailleurs, à Malobanaye, depuis que je suis, moi je suis jeune, je ne connais pas ce qui s'est passé en 1960, à moins qu'au Kendekouan-Koulou-Kango, dans ma recherche et dans ma enquête. Je ne me souviens pas un président de la République, à part Félix Tshisekedi, ici dans ce pays, qui est passé dans ses sorties médiatiques, reconnaissant si tel domaine n'a pas marché. Il dit que c'est un bémol pour mon mandat. Ça, c'est là où il y a un bémol pour mon mandat de ce quinquennat. La sincérité. La sincérité et la reconnaissance même de la faute. Ça, on ne peut pas tout lui reprocher, on le reconnaît. Ici, on nous a montré, tout était modernisé, tout était fait. Tout était bon et tout était excellent. On était habitué à des discours comme ça, sans reconnaître que ça, je n'ai pas fait. C'est le discours qu'il y a. Mais Kabila a reconnu. Kabila a reconnu de ne pas changer les Congolais, la mentalité des Congolais. Et il a reconnu cela. Est-ce qu'il avait. C'est aussi un élément important. Tolérance, moi, Madame Boka. Il avait un projet, je ne me souviens pas des projets de société de M. Kabila, où il était mentionné dans le pilier de ses projets, le changement de l'homme congolais. Comment change l'homme congolais sans autonomiser la gratuité, sans l'accès sur l'éducation, la formation, la moralité, l'impunité, le laxisme, le clientélisme. Quand vous avez dans votre propre cabinet un directeur de cabinet qui peut aller rançonner l'argent de la SNEL, il n'y a aucune punition. Quand vous avez autour de vos collaborateurs des gens qui assassinent et qui tuent, aucune poursuite, c'est une suspension. Tout le monde était sain. Des procès de haut cadre de tout son régime pendant 18 ans, on n'a assisté à aucun procès. Vous voulez dire quoi? Et vous regrettez d'avoir changé, vous avez puni qui? Quand vous reprochez quelqu'un de coup d'État, prenons le cas d'Éric Leng. Aucun procès, on l'exécute. Exécution sommaire. Quand on interpelle par exemple quelqu'un comme Armand Toungoul ou qui s'est appris au cortège du président de la République. Aucun procès, exécution sommaire. Et c'est ça ce que vous appelez, vous changez quel Congolais, quelle justice vous voulez changer? Alors, n'entrons pas dans les détails, on est ici au Congo, on connaît de quelle manière qui est décédé, comment sont décédés, même les proches collaborateurs, de quelle manière on les assassinait un à un. Jusqu'à preuve le contraire, il n'y a jamais eu une enquête profonde d'imaginer qu'un prétendu crash et Salema, et rien que Katumbama qui dans cet avion sortira victime et tous les autres indemnes. Deux semaines après, ils sont promis à des postes plus supérieurs. De Matata Pogna, Antoine Ngonda, d'Antoine Ngonda, Marcelo Tshishambo, et aucun procès, aucune enquête. Quand la famille veut parler, elle prenait, taisez-vous. Vous voulez changer l'homme congolais comme ça? C'est quoi ça? Je voudrais dire que le président de la République a dit clairement à ce qui concerne la justice. On parle de la sanction. Je suis d'avis avec lui, faux. Sanction est un aspect nango pédagogique pour bangi ça mon soso kinga na toi ba magistrat au moni ba betinga et tout yo poko banga que oye comme là qui met toujours le coup comme langa lo bisonga pe na sali mbemba mutindo wana. Est-ce que par le fait qu'il y a des faits reprochables qu'on peut punir abusivement sans qu'il y ait des enquêtes extra, j'insiste au préalable, je prends un cas puisque tout est en procès et ça nous récent. Le petit criminel vous dit que on a donné $700 pour être relâché. On l'a, ce n'est pas dans le vide. Les enquêtes déterminent qui a reçu les $700, nom, matricule et instance place Yazakosa Moussala Naye. Et de cette instance place Yazakosa Moussala Naye, à ce moment-là, quand le nom arrive au bureau, au cabinet du président de la République, puisque va nommer magistrat par ordonnance, on peut révoquer quelqu'un avec précision. Et c'est au niveau du président de la République de venir enquêter. Est-ce que, quand on déplore, c'est de l'effort aussi à Madame Europe. Moi, par exemple, j'ai toujours été clair, tout en soutenant le président de la République, tout en étant l'IDPS, je suis de ces compatriotes qui n'ont jamais compris comment Madame Rose a été reconduite. Des raisons que je ne peux pas développer. Si ça dépendait de moi, c'est une dame qui devrait partir de la première nomination
pour le niveau des limites et insuffisances qu'il a montré dans ce domaine, on devait confier à quelqu'un d'autre ses portefeuilles. À travailler mal à monter. Ah non, c'est clair. Alors, lorsque Kamouleta est devenu président de la Cour constitutionnelle, le président n'a fait que de la procédure qui lui est propre du point de vue constitutionnel, le nomma par ordonnance, mais il a été élu par ses magistrats. La loi et la constitution prévoient que c'est les 9 juges de la Cour constitutionnelle qui élisent le président de cette juridiction. Et c'est à cet effet que le magistrat l'ont choisi. Le président a pris acte du vote ou du choix de ses collègues qui l'ont élu comme président de la Cour constitutionnelle. Et à ce stade, de sa responsabilité, il y a ce qui doit être fait. La population a un rôle à jouer à ce qui concerne l'indépendance structurelle, organique et l'efficacité de la de justice. Et tous nous sommes impliqués. Okay. Lorsqu'il s'agit de la corruption, vous êtes une cliente ou judiciable dans telle instance, Maître Jeannot ou Maître Kitenge sont tes avocats, entre ou prenons Maître Jeannot sur le procureur, moi je suis l'avocat. Si vous avez l'argent, un franc à corrompre, ça passe par moi. Vous allez me donner moi l'avocat et c'est moi l'avocat qui va le procureur Jeannot. Les barreaux et l'appareil judiciaire, tous dans le combine de ce que nous appelons corruption, puisque les avocats sont des transporteurs de ces enveloppes-là. Très bien. Merci. Et de ces contacts-là, tout ça, puisque les magistrats se trouvent à l'aise de discuter ou de s'ouvrir devant un avocat que devant les judiciables directs. Merci beaucoup. Et c'est de nous tous de dénoncer du travail pour mettre fin donc la réforme. Oui. Si vous me donnez 30 secondes. La réforme, il faut d'abord permettre les instances qui ont une difficulté à travailler aujourd'hui d'y fonctionner. Par exemple, à quelle instance? J'ai fait allusion au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas naïe, à ça on a déficit, il y a des cours administratifs. C'est quoi, yo? Ceux qui ont instance ou à statut en premier degré, toi en premier ressort, à Zaté. Il y a ça qu'au Sibir et il y a des gens qui subissent l'État puisqu'il peut déjà avoir bénéficié d'un avantage en premier degré avant qu'Inde l'instance Yasouk. C'est d'installer très rapidement la cour administrative de justice n'habite pas Ignosso et Sengelezal. Il y a aussi d'autres provinces où il n'y a pas de tribunaux de commerce. Et ils ont du mal, les TGI continuent à faire le même travail. Office. Il y a certains endroits où il n'y a pas de tribunaux pour enfants. À question à conseil référendaire. Tokendaganaba, les lots là, Tokumanda contentieux des candidatures puisque les dépôts sont en cours. Et ensuite, on ira au contentieux des résultats. Vous imaginez 9 juges, généralement, ils ne sont pas jeunes. Bon, dans la cour constitutionnelle, je les respecte. Hein. Donc, 9 juges, dans l'instance où tu connais qu'il y a la députation, il y a 2019, 15 000 candidats pour 500 sièges. 15 000 dossiers, ceux qui ont réussi, ceux qui contestaient, on vient avec les contentieux. Maintenant, vous voyez qu'on a mis toi, batata, 9 ou 15 000 dossiers. Très compliqué, merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Tu as commis presque une souka émission, mais tu as commis les cartes sans que le processus électoral, le FCC ou Aboy, qui s'est présenté, n'a saigné. Pourquoi le Belango, il y a un bout aussi dit ça, à 5 mois des élections, des fois, la candidature est bandit. Qu'est-ce que FCC a zozé la qui a qu'une élection t'es carrément assez à dénoyer à boycotter topé à zozé la licamusus parce que Seigneur a bengisi à boy alors que beaucoup t'as nécessairement qui non autorité morale n'a bino processus électoral Maître Jeannot l'homme pépé non madame oui magamitali mais processus électoral bon magam justice n'a raison à ce matin parce qu'il a tout dit mais le plus important il faut reconnaître la responsabilité anticipée de tout le mot par rapport magamitali à justice awa. C'est très important. Je suis d'avis, à l'objet que non, par quel critère? Madame Rose Moutoumazagi, par quel critère? Il y en a seulement Madame Rose Moutoumazagi, il y a d'autres ministres. Quel est le critère, Zagi, comme premier, pour que quelques ministres soient reconnus? Donc, le problème aujourd'hui, madame, dans sa globalité, il y a, je suis un bon connaisseur, ça pète Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. Parce que lorsque nous avons un premier ministre, Azali faible, c'est ça les conséquences. Si c'est les conséquences d'avoir un premier ministre faible, parce qu'en réalité, on ne le sait pas. Le premier ministre, il est où? Pourquoi il n'agit pas? On se dit, à ça que le Belango m'a mis en place, il y a structure, il y a justice. Oui, il y a cadre de la réforme. Mais tu as la projet à 145 territoires. Même si c'est un projet, c'est encore des poudres aux yeux. Parce qu'en réalité, il y a ma réalisation sur le terrain, et ça l'était.
Est-ce qu'on m'a dit va penser qu'il peut être fils que le tribunal? Aujourd'hui, même des magistrats, il y a des magistrats qui sont dans le territoire, madame. Bah, qu'il n'y a pas de mais le conseil supérieur de la magistrature, mais pourquoi nous sanctionner des bonnes? C'est ça la complaisance. Et on a vu ce que non, les problèmes sont tellement profonds et qu'à notre niveau, nous, étant que politiques, on voit ce qui est dit le mot. Ce n'est pas les autres là, madame. Il faut faire ça exemplaire. Ce qu'on appelle d'ailleurs côté, sur quoi que conséquence, et vous aurez de temps en temps. Madame, il y a l'élection, maman Naomi. Je crois que d'abord, il faut en rappeler encore Kadima. Kabila, je crois que Kabila Zali, l'autorité morale, il y a fond commun pour le Congo. Nakati et FCC, nous avons des structures. Mais comment expliquer, je me pose la question, de quel courage au Kadima Zouaki, il y a comme ça là, invitation à Ewana. Oh. Parce que si on a d'abord invitation, Anna, du point de vue administratif, il y a d'abord des contradictions, madame. D'abord, on a tête à commis aux invitations. Dans les fonds, à son sein audience. Est-ce que Moutouyande ou Anna Kopé s'en conseille? Je me pose la question avant Kadima signé l'Okouana. Attends à qui a monté? C'est ça les conséquences, Yagova. Yagova Bateau va bombarder Bango. Parce que Kadima Zaki imposé par Tshisekedi Tshilombo. Sur le seul président Séni Oyo, on voit un président de la République, abîmant la silence naïe, à l'écart de la télévision nationale. Pour justifier nomination naïe. Ah, mais maman qui n'a pas confession. Vous comprenez, madame? Non, confession, il dit comment ça se passe, non? Confession, on a Kadima Zaki, bénédiction, il n'y a pas. Il n'y a pas père, il n'y a pas de comment ça là qui fouille d'imposition par conséquent, il y a un ce qu'on peut, on a vu sur madame, au niveau SEC. D'abord, Kadima, c'est un problème. Nous, on conteste d'abord Kadima, la carte a du roi. Alors, de quel courage politique à quoi on soit à ces mesures, à son courage, il y a quoi déjà une invitation à notre autorité morale. Ça, c'est de manquer de respect à Kabila. Ça, ce n'est pas normal. Pour nous, Kadima, c'est un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous demandons les respects à la loi, les respects à la consensus. Kadima a la compétence, il y a des gens qui ont l'habilité à répondre à la question. On se comprend. Quand nous demandons que nous, au niveau de la CENI, il y a un niveau de la CENI, il faut respecter les représentants de l'opposition. Et que nos représentants, il faut pas ça. Ce n'est pas à Kadima qui répond. Comment Kadima qui répond? On se comprend. Pour la commission que non, et ça n'a pas fanti, il y a Kadima. Et que Kadima a raté si bien. Ce qu'on a besoin quand on a photo dans Kabila, ce qu'on a raté à mon avis, dans Bobima. Pour la retirer, la paix, on se rend. Oh là là. Mais c'est ça maintenant le problème. Parce qu'à la photo, il y a Paolo. À la photo, il y a Mouzito. Il a la photo, il y a des voitures, le modem. C'est que le manque, c'est quoi, la bureau, naïe. À la photo, il y a Kabila. Nous, on a eu quoi, tata qui mange, on a peut-être, à contre la chance, on a. Mais nous disons que non, la position, il y a FCC, madame, Tilelo et Zali, inchangé. C'est clair. Il faut un consensus. S'il n'y a pas de consensus, maintenant. Belle élection, d'abord notre participation. FCC a dit qu'elle a combien d'élections. Ok. Tant qu'elle a qu'on s'est prononcé dans mon que non, mais surtout, non, pas attendre. Non, on n'a jamais dit ça. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? C'est le respect à procédure. C'est le respect à ma texte, madame. Tu l'as dit que non, processus en cours, ils allaient tellement ma belle ma case. Très bien, belle élection, ils allaient ma belle ma case. Il a encore temps que tous ont allé dans le ciment, tout bon que ça m'a camo. Parce que ceux qui ont bon que ça m'a camo. Non, s'il vous plaît, madame, c'est comme si on cherche le dialogue. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le dialogue. Dans ce pays, tu as regardé la coalition. On se comprend. Même si aujourd'hui, tu sais qu'il dit, ils ont regretté la rupture à la coalition. Mais à l'époque, il y a le non, ils ne regrettent rien, il n'y a pas de remords par rapport à la rupture à la coalition. Mais le loi, il y a beaucoup à se rattraper encore. À avouer regret à Ewana. Donc, on a un président, à chaque fois, il est toujours dans les contradictions. Oh, un chef de l'État n'a pas sorti médiatique n'a pas asa n'a pas conseillé n'aie, asa n'a pas conseillé n'aie, basa n'a pas encore rappelé chef de l'État. C'est qu'il faut dire à la publique, n'en niveau à média. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore des contradictions. Il y a une chose que madame m'a commetté à l'élection pour ce FCC et un mot clair. Ce qui va voir que l'on a mis ça, ce qu'au moment opportun, tu as fixé l'opinion. Très bien. Tu as fixé ma commande, ce qui tu as participé ou non, dans l'élection au cas de Mazak, on peut parler. Merci beaucoup. Même ici, l'élection, on peut ça le matin. Parce que je veux la cause à un candidat. Mais tout d'un les a dit. S'il vous plaît, madame. Mais tout ce monde a déjà signé, non? Est-ce que nous avons la même volonté à la société et à l'union sacrée? Bah, ça a besoin d'élection. Il n'a pas besoin d'élection. T'as la titi d'abord. Dis-moi, quel est le regroupement politique il y a il y a l'union sacrée? Si on a le président de Nabangouana, qui a osé d'aller déposer la candidature? Parce que depuis que quelqu'un m'a convoqué, Babylo Nabangouana, formant Nabangouana, le lot d'ailleurs, dans 10 jours, je crois, ils ont clôturé le 20 juillet. Dans 10 jours, on ne va pas déposer en haut.
Il n'y a pas d'essayer, madame. Très bien, merci beaucoup. Même pour lui, il n'y a pas de moyens. Joël n'a pas les moyens, Goliath. Il y a aussi la campagne. Ah là là, continue à pocher. Mais il attend d'abord de nommer, à aucune élection, sa nomination, madame. Merci beaucoup, moi, Lamboka. Merci beaucoup. Selon ma information, qui gère ma partie politique, madame, non, mais ma information à notre position. Maman est alitée. Ok. Nazali politique, n'a pas de bango. Qui est là, qui était même sur le terrain dans son parti de PES. Au moment de Kangoumé, ça t'est. Très bien. On a vu une aventure là, hein. Avec Maître Jacques-Mène Chabat, Nakabouya, oh non, tu as finalisé ma liste. Mais en réalité, c'est vide. Merci beaucoup, Ndeko. Moi, Lamboka, Joël Kitengo, Kitengo, processus électoral, Bandeko, Moussous Bassengue, audit électoral, audit, y affiché électoral, Yamouba Kende. Ndeko, Adolphe Mouzit Koutalobi, Fokaka, Kimiezonga, pour que tout kende ma pounoumi. Bah, FCC, Balobi, Bangofo, Nyonso, presque Nyonso, Bandela. Makanis Nabino, Baye, Union Sacrée, procès électoral à 5 mois des élections. Je vais lui dire que Bisso aussi te profilé déjà ma liste et à ma 500 candidats à Bisso partout. 500. Comme Bako déposa Kayango la direction générale et à Sénité, et ça la BRTC, différent d'après autres, tous les mandataires et à CEP, sous la coordination de Jacques Mel, j'étais avec ma mandataire au Bazongi, un espace. Donc au Katanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami, j'étais avec un maître Toussaint que je suis en train de saluer ici, sont déposés. Ma mandataire, il y a CEP, il y a Kassai et partout, mon nom y est dans ces listes-là. Bisotos organisé, on n'est pas allé en titre personnel, les mandataires ont déposé. Et nous nous attendons le jour J de la campagne. Ça, c'est un. Naoki biloko moko awa epande ko jano, c'est un professionnel aza mayele aza avocat et qui fait preuve hein ya musala nae, mais il est allé outre au-delà de rester scientifique rationnel. J'attends le mot autorité morale qui revient souvent du point de vue à fonctionnalité. C'est un chef d'un regroupement politique ou d'un parti politique. Alors chef d'un regroupement politique d'un parti politique, au regard de tout ce que lui estime, peut-il inviter un chef, le président de la CENI peut inviter un chef d'un parti politique, oui ou non, au regard de la loi? Oui. Monsieur Kabila est sénateur à ce jour pour avoir été ancien président de la République. Sénateur à vie, et ça par rapport à dire au Tobenga Kamanda viageur. La nature de Monsieur Kabila, c'est un sénateur. Est-ce que le président de la CENI peut-il inviter un sénateur? Oui. Alors, lequel niveau, lequel grade on donne à M. Kabila? On les divinise ou il n'est plus le chef de corps d'un parti politique? Nature juridique à parti politique. Et ça va faire privé, tout ça va faire public. C'est un fait privé. Il peut être invité comme le président du PPRD, puisque la revisita statine à Bango. Balongola secrétaire général comme secrétariat permanent, CP, naïe président national, il y a parti. Pour le PPRD, on peut l'inviter. L'FCC est en crise, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ai dit, et ils ont mis une commission de crise. Est-ce que FCC, Ndengezala Kakala, Ndengezo fonctionner les lois, à moins que je sois en retard, lui peut ajouter un mot, est-ce qu'ils ont parti politique? Ils ont plateforme électorale? Tous les plateforme de fête, l'isanga kaka, des gens qui croient à une idéologie, qui se retrouvent et qui se regroupent autour d'un individu. Est-ce que à travers le monde, ceux qui ont été présidents de la République, on ne les invite pas quand il y a nécessité d'échanger? Ils les prennent pour qui? Alors, prendre la photo avec M. Kabila, ça va béatifier Denis Kadima. Qu'est-ce que la photo de M. Kabila peut-être, d'ailleurs, si vous plantez la photo de M. Kabila dans votre salon, ça va vous hanter. Par rapport à quoi? Ça va vous hanter. Par rapport à quoi? Vous comprenez? Est-ce que c'est un péché? Moi, j'ai ça à la maison. En tout cas, vous ne dormez pas. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Et à chaque fois, je vois cette photo-là, et ça qu'on rappelle encore, ça me donne encore la force. Il y a qu'on résister face au pouvoir. Là-bas, il y a tout le monde. Je comprends de Kolangaï Jano. Comment rationnellement la maël n'y a ce ton dit azoko sala bargima puisque cette photo trouble bargimentaire là au contraire vous comprenez photo on a des salades c'est ça le mot ça lui hante et ça lui sèche dans les arguments
puisque c'est une photo teintée du sang et du mal et de la destruction historique de ce pays. Vous me confirmez la, mais on a la capacité à vous démontrer en côté. C'est ça Kadios encore une fois. Le 20 décembre, le Congolais s'est appelé aux élections. Tous les Congolais, de manière générale, qui veulent qu'au Kendama Ponami, ont droit à commettre un point de vie. Une opinion, Dijar, Bassa la Boué. C'est cela, Denis Kadima Fongola, qui porte ouverte pour écouter tout le monde. Ils sont libres d'aller aux élections. Nous avons été libres de ne pas aller aux élections en 2006. L'IDPS, je fais allusion. Si aujourd'hui, PPRD allié décide de ne pas aller, c'est de leur droit, vous ne pouvez pas les priver ça. Vous ne pouvez pas leur priver ça. S'ils veulent aller aux élections, ils sont le bienvenu. Très bien. Merci. Ça ne va pas arrêter le pays. Le ciel n'est pas tombé sur la tête du PPRD en 2006 quand l'IDPS n'est pas allé aux élections. Tout comme si les camps Kabila n'y vont pas, le ciel ne tombera sur la tête des personnes. Non, mais attention. Les contextes, ce n'est pas plaît. Les mêmes. Contextes, ça n'est pas s'il vous plaît. Non, contexte, c'est 2006. Il y a 2023, c'est différent. Ici, c'est un problème de respect à texte, madame. Merci beaucoup. To, comme déjà dans Souka, votre mot de la fin, message n'est copé sur la population congolaise, je zose la FCC, na ma ponomi, et alors que, vu la Kinshasa, c'est vraiment un problème, il y a sécurité, pe bon, on a bongo. Quel est votre message, étant que Ndeko, il y a FCC, en une minute, tout c'est ça. Non, mais Ndeko, Nami, le message est très simple. Je répète encore la position à FCC. La position à FCC est qu'elle a changé. Au second point, madame, tout ça qu'on s'engage à Bango, il faut pas respecter le texte. Qu'on respecte le texte, c'est un mot simple. Et c'est un niveau à CNI. Toti ba représentant na biso toki na niveau ya cour constitutionnelle. Bajiji wana, il faut pas la bajiji moko ya ba naître. Bazal bajiji moko républicain. Contrairement bajiji bazali wana. Bajiji bazali wana bazako répondre na dictat ya tilombo. Bazali wana pona ko cautionner encore davantage. Osomona tricherie au Kadima azako préparer ngo pour na réélection ya monsieur Tshisekedi Tshilombo. Ba congolais fo baye ba keno ko kena ba élection na contexte oyo, c'est très d'abord difficile. Notre territoire, d'abord, territoire local, il y a toujours l'insécurité. Il y a des localités, vous allez toujours occuper par les M23, madame. Na Kinshasa, tout près de nous ici. Phénomène Mobondo. Le gouvernement congolais incapable, le loo, madame, il y a commettre fin à la situation. Wana. Le loo, territoire, il y a Kwamutu. Basa Rolete. L'insécurité, ça va dominer partout dans Katia Mboka, madame. Climat politique, d'abord, pour le moment. Et ça, il y a malamouté. Alors, de quel climat vous voyez l'élection en Ndengwana? Donc, bah, quand on lève pas hier, que non, ce que nous demandons à la FCC, et ça, dans le cadre, il y a respect à la texte, et que nous continuons à rappeler, bah, Congolais, et que, bah, Congolais, il faut tout élément. Il est temps de se mettre debout. Ceux qui ont été bloqués, ils ont été. Parce que les pays qui ont été dérivés, les pays qui ont été libérés, ils ont été mis en route. Moi, je suis en route. Il faut être en conscience de sorte que non, tout le monde est en route. Force à la dictature, madame. Ma capitale est à Kinshasa. Je suis en route. Là, ça ne nous concerne pas. Ce sont des transfuges à FCC, madame. Bon, je suis en route à FCC. Là, on a autant de monde dans la vidéo à Golden Point. Dans l'église, madame, oui, elle a l'écho, ma quelle est, elle a l'écho. Ça, c'est quel spectacle que vous avez à la biseau. Bon, on y pense que, dans le niveau de la semaine provinciale, ballonolé, madame. Même ici, du point de vue légal de la conscience, bah, respecter le droit de défense. Mais néanmoins, je pense que non, bah, on va aller où, madame, bah, ça va modérer la Kinshasa. Non, Kinshasa, c'est la victime d'abord. Il y a un membre de l'Union sacrée, ou un gobila, ou, habite là, de côté, le mot, le loi, Golden Point, ballonolé, président de la semaine provinciale, article même pas côté, qu'a dit. Je ne sais pas, pendant 5 ans, il y a eu comme il y a eu, il y a eu un niveau d'assemblée provinciale. Natikala Koué Bangote. Donc, ma kamouda Bangouana est allé à Kinote. D'ailleurs, moi je conseille même, ceux qui connaissent pour accueillir. Mais ceux qui sont députés, ils sont réellement députés provinciaux, ils ont l'indépendance d'esprit. Mais ils ne sont pas en Gobila, non? Très bien. Merci. Pourquoi ils sont protégés en Gobila? Mais ils sont sacrifiés en Gobila. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu Joël qui est aussi un peu maître Joël. Mot de la fin, je suis un peu plus de choses. Je suis un maman. C'est du populisme. Oh là là. Du populisme. Quant à l'organisation des élections, les textes, la révisitation de la Cour constitutionnelle, je n'entre pas dans les détails. Aza praticien des droits yebi, neni motako makazou sur la Cour constitutionnelle. Ils sont et là. La loi électorale? Ils sont là. La cette loi, on a les lois. Avec quel fichier électoral? La loi électorale était l'œuvre d'Henri Thomas Lokondo.
La loi organique instituée organisant la CENI était l'œuvre d'ensemble à l'époque Lutundu. Non, il y a une non, c'est le G13. Nous n'avons jamais proposé un texte parmi les deux textes-là. Ça venait de l'opposition et nous n'avons fait que constater qu'ils se rappellent de cela. On a débattu. Si ils ne veulent pas les élections, qu'ils s'assignent. Nous disons aux Congolais, au bazar à ambition, vous continuez à profiler l'ambition d'Abino, vous se préparez, déposez vos candidatures. Aux Congolais de s'apprêter, de voter, des personnes qui continuent à banger dans l'instance, après vote, dit Kamboya Kinshasa. Nous l'avons interpellé dans plusieurs occasions, plusieurs sorties médiatiques, dans ma liberté d'être union sacrée et de dire tout ce que je pense au sein de l'union sacrée. Il a joué le jeu de Kobila, il a été pris dans son propre piège. Le protégeant, les gardants, les défendants, étant même l'administrateur du groupe WhatsApp soutien en Kobila, et maintenant Kobila Dodie. Vous comprenez? Donc il est tombé dans son propre siège. Ce qui est vrai, s'il faut sanctionner Godin Poy, pour des raisons que j'ignore, puisque les arguments que j'ai attendus c'était fallacieuses, infondés, impropres, et considérer que Godin Poy est le mal, ou l'autre, la vice-gouverneure à Kenda Kawana, Fuma Bangamboyo, le nom va me revenir, était Nerombungu devrait partir. Ngobila, c'est l'homme de la situation dans la ville de Kinshasa. Alors, je me dis que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont en train de saigner, ils sont en train de scier. Mais c'est vous qui êtes majoritaire. L'air électoral. Et je pense que. L'IDPS est la majorité, la députée. Les droits n'ont pas été respectés dans la destitution de Godin Poy. Ce qu'il a dit, c'est ça. Prescrit droit de la défense. Et puis ça maté, il ne s'est pas défendu, il ne s'est pas expliqué, la procédure a été faite, l'ingressa le makiwana. Heureusement, j'ai appris qu'il a saisi les instances pour que le droit soit respecté. Mais j'appelle les députés provinciaux de ne pas se laisser. Gentilin a utilisé, il trouve que Godin Poy devient un problème, il faut s'en débarrasser pour garder l'Assemblée provinciale dans sa poche et aucun contrôle sérieux musclé pour la vie Merci de Kinshasa. Beaucoup. Pour nous, moi, j'appelle aux députés provinciaux de ne pas les responsabilités, sinon ils seront sévèrement sanctionnés par les Kinois. Mais c'est vous l'IDPS, non? Merci beaucoup. C'est la donc, les Kinois vont sanctionner les candidats à l'IDPS. Vous êtes douce. Mais l'élection, je n'ai pas l'élection, je n'ai pas l'élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partout à travers le monde, des équipes pour le Congo, tout bande de la Colobayango, la justice élève une nation, surtout Rotonga, justice Yamalonga, et que ça, la Kumbo, Kanabiso, Pekende, Liboso, Tolinga, Congo, tout ça, la Moussala, pour la Congo, peut-être battre la intégrité territoriale d'Abisso. Bon début de semaine chez vous, on se retrouve demain. Au revoir.